Le mot radar a été inventé en 1940 par la marine américaine. Il veut dire « radio detection and ranging » ou « détection et télémétrie radio » en français. Le radar utilise les ondes radio pour détecter la position des objets dans le ciel, les avions par exemple. Un dispositif appelé magnétron génère de puissantes ondes radio. Une antenne concentre ces ondes en un faisceau étroit et les émet continuellement vers le ciel. Les ondes radio voyagent à la vitesse de la lumière jusqu'à ce qu'elles frappent un objet, un avion par exemple. Les ondes rebondissent sur l'avion et retournent vers la Terre. Certaines des ondes qui reviennent sont captées par l'antenne et leurs données sont traitées par ordinateur. En se basant sur la force des ondes radio et leur temps de déplacement, l'ordinateur calcule la position de l'avion. La position de l'avion s'affiche alors à l'écran d'un contrôleur aérien. C'est ainsi que le radar permet aux contrôleurs aériens de suivre la position des avions dans le ciel.